Dans cet épisode, une balade dans la ville de Figeac, atteignable depuis l'aire Camping-Car Park, qui ne se trouve pas bien loin. Salut les voyageurs, voici le 4e épisode d'un périple qui nous fait passer de la Suisse à la Charente-Maritime. C'est tout près de Figeac que nous faisons une pause. Figeac, ville héritage préservé d'un passé médiéval. L'aire que nous allons présenter se trouve à Capdenac-Gare, ville située à moins de 10 km de Figeac. Elle est structurée comme un camping et c'était effectivement le cas avant de devenir une aire Camping-Car Park. Camping-Car Park est une société basée à Pornic en Loire-Atlantique qui assiste les collectivités pour créer des aires pour camping-car dans les communes, essentiellement en France. On trouve des aires de service, sans séjour possible, des aires d'étape, comme celle qui va être présentée dans cet épisode, et des campings de mon village qui sont également accessibles à l'aide d'une carte magnétique mais qui présente l'aspect d'un camping de petite taille plutôt que d'une simple aire. J'utiliserai, comme dans la plupart des épisodes de cette chaîne, des plans pour indiquer précisément où ont été tournées les images. Depuis notre précédent point de chute à Saint-Côme-d'Olt, en fait, un saut de puce de moins de 100 km a permis de rejoindre Capdenac-Gare. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes baladés essentiellement dans les petits villages de la vallée du Lot en Aveyron. Il est temps maintenant de nous déplacer vers l'ouest. Je parlais de saut de puce juste avant. On le voit ici à l'échelle d'une carte de la France et comme vous le savez, c'est notre mode de déplacement, des sauts de puce en camping-car et ensuite on rayonne autour de chaque étape avec la moto. Voici l'environnement de l'emplacement que nous avons choisi au bord du Lot. Il s'agit sur cette aire d'emplacements herbeux qui peuvent devenir très gras en cas de pluie, comme lors de notre séjour. Cette aire comporte 50 emplacements. Commençons notre tour du propriétaire sur de larges allées qui desservent des emplacements de grande dimension. Les emplacements sont souvent regroupés en étoiles, autour d'allées, en orange sur le plan. Quand le terrain devient très gras, les camping-caristes sont tentés de rester sur les allées, qui sont les seuls endroits bien stabilisés. On arrive maintenant à la zone sanitaire barbecue, qui, il faut le signaler, se trouve tout près de la route. Si vous êtes des camping-caristes qui appréciez de vous trouver tout près des blocs sanitaires, alors il faut savoir que vous serez ici exposé au bruit des voitures qui passent sur la route juste à côté. À propos du bloc sanitaire, mis à part des éviers, des bacs à linge en quantité suffisante, on va y trouver 3 douches et 4 WC à l'air libre. Quand je dis à l'air libre, ça veut dire exposé au vent, sans cloisons qui descendent jusqu'au niveau du sol. Ce n'est pas forcément confortable par mauvais temps. En fait, c'est pas grave si votre camping-car est bien équipé par ailleurs en sanitaire et en douche. Tu es les bienvenus. Les caravanes aussi. Par contre, en dehors, ils ferment les sanitaires. On passe maintenant une zone de collecte sélective des déchets pour rejoindre l'entrée de l'air et se diriger vers une borne de service très facilement accessible sans aucune manœuvre, puisqu'en fait elle est atteignable par une route qui forme une boucle. Voilà qui est extrêmement pratique avec des camping-cars, même de grande taille, et surtout avec des remorques. Il s'agit ici d'une borne de service EuroRelais. Réagissons maintenant à quelques commentaires originaux trouvés sur le site Camping-Car Park. Tout à fait d'accord, d'ailleurs vous aurez peut-être repéré la grande surface sur les images de la borne EuroRelais. La délimitation est parfois effectivement délicate à repérer. Nous avions la place 18 qui est énorme, mais quand on observe par exemple les places 26, 27, 28, ce n'est pas évident d'en voir les limites sur place. Et effectivement, la tentation est grande de rester garé sur les allées quand les emplacements herbeux deviennent détrempés et favorisent l'enlisement. Confirmation ici de l'ancien statut de camping municipal, et il est vrai que la végétation est très dense et doit empêcher une bonne réception satellite. Ce point ne nous concerne pas, mais c'est un point qui est important pour certains et c'est certainement la première chose à vérifier quand on choisit un emplacement sur cette aire. On peut effectivement considérer que la route pollue les emplacements ici en gris sur le plan. Les emplacements les plus proches du Lot sont effectivement grands, mais situés tout en bas de l'aire et donc potentiellement boueux. Voici les tarifs généralement appliqués sur les aires d'étape. En ce qui concerne les campings de mon village, c'est un peu plus cher, mais en restant bien en dessous des 20 €, électricité comprise. À ces tarifs, s'ajoute l'achat unique de la carte Passe-Étape qui permet d'actionner la barrière à l'entrée des aires d'étape et des campings de mon village. Capdenac-Gare présente un centre-ville plutôt sympathique. À noter une grande surface à 100 mètres de l'air, comme cela a été mentionné dans plusieurs commentaires. Dans notre périple, c'est en fait une étape très courte qui était destinée essentiellement à visiter Figeac. Capdenac-le-Haut, c'était juste à côté, donc forcément, ça fait partie des plus beaux villages de France. On y a fait un saut. On n'a pas été emballé du tout. Tu vas comprendre bientôt pourquoi. Sans doute que le temps ne s'y prêtait pas. Le village est certainement très beau, mais là n'est pas le problème. En entrant dans le village, on est très vite attiré par la fontaine romaine dite des Anglais. Là, il y a un panneau qui indique qu'il faut un code qui est disponible au syndicat d'initiative. En voyant d'autres touristes, on leur demande si on peut les suivre, vu qu'a priori ils ont le code. Et là, un malaise s'installe. Vous devinez pourquoi? En fait, le code est payant et on l'apprend en se rendant au syndicat d'initiative qui propose un billet global pour visiter plusieurs lieux. Ce n'est pas très élégant à mon sens. Ce n'est pas clairement indiqué au niveau de l'entrée de la fontaine. Du coup, c'est aux visiteurs de faire le travail de contrôle d'accès. D'un naturel plutôt cool, ça m'a bien fâché. Nous avons passé 15 minutes sur place et sommes repartis de Capdenac-le-Haut. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Capdenac-le-Haut est par ailleurs un point de vue splendide et permet de localiser l'air au bord du Lot. Le Célé traverse Figeac, il s'agit d'un affluent du Lot, Lot qui lui-même est un affluent de la Garonne. Visiter Figeac est une immersion dans un centre-ville historique particulièrement bien préservé. Bien entendu, Figeac a su développer son côté touristique, mais sans pour autant défigurer sa vieille ville. Nous voici arrivés à l'église Notre-Dame-du-Puy qui domine toute la cité. Derrière ces grands murs, que va-t-on trouver? Eh bien, de beaux jardins relativement à l'abri des regards. On a des images. Hein? Non. redescendons maintenant vers le centre de la vieille ville. Pour finalement arriver dans le quartier du musée Champollion, où se trouve cette monumentale reproduction au sol de la pierre de Rosette, fragment de stèle qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Il est considéré comme le père de l'égyptologie. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'aura donné envie de déambuler dans Figeac et de tester cette aire pour camping-car de Capdenac-Gare. Ah, au fait, si tu découvres cette chaîne, il n'y a pas que des épisodes qui présentent des aires de camping-car, il y a aussi des campings, on ne visite pas que des villes, il y a également des tutos de conduite ou des tutos plus ou moins techniques. En tout cas, à chaque fois avec pas mal de montage. Alors si c'est un style qui te plaît et qui te change de ce que tu trouves d'habitude, y compris chez les chaînes de camping-caristes, alors merci pour ton abonnement. C'est un soutien qui est très important pour des petites chaînes comme la nôtre. Merci également pour les partages dans les commentaires des vidéos. C'est très important pour la communauté et à bientôt.